Je vous salue tous cet après-midi au nom parfait du Seigneur Jésus-Christ. Je suis encore très content qu'on se retrouve encore ce soir ici. Ok, sans tarder, on va prendre Hébreux chapitre, plutôt Genèse chapitre 14. Commençons par le premier verset, jusqu'à peut-être au 15e verset. Genèse chapitre 14. Bon, on peut commencer par 8 pour que qu'on gagne un temps. On peut lire cela nous tous. Alors s'avancèrent le roi de Sodome, le roi de Gomorre, le roi d'Adaman, le roi de Séboïm, le roi de Béla, qui est Soar, et ils se rangèrent en bataille contre eux dans la vallée de Sidim, contre Kedem, roi de Lam, Tidal, roi de Gojim, Armaphrel, roi de Shinéar, et Achok, roi de Lazare, quatre rois contre cinq. La vallée de Sidim était couverte de puits de bitume. Le roi de Sodome et celui de Gomorre prirent la fuite et ils tombèrent. Les restes s'enfuirent vers la montagne. Les vainqueurs enlevèrent toutes les richesses de Sodome et Gomorre et toutes les provisions et ils s'en allèrent. Ils enlevèrent aussi avec ses biens Lot, fils du frère d'Abraham, qui demeurait à Sodome, et ils s'en allèrent. Un fuyard vint l'annoncer à Abraham, l'Hébreu, celui-ci habitait parmi les chênes de Mamré. L'Amoréen, frère d'Escol et frère d'Aner, qui avait fait alliance avec Abraham. Dès qu'Abraham eut appris que son frère avait été fait prisonnier, il arma 318 de ses plus braves serviteurs nés dans sa maison. Et il poursuivit le roi jusqu'à Dan. Il divisa sa troupe pour les attaquer de nuit, lui et ses serviteurs. Il les battit et les poursuivit jusqu'à Choba, qui est la gauche de Damas. Il ramena toutes les richesses. Il ramena aussi Lot, son frère, avec ses biens, ainsi que les femmes et le peuple. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kedor, Laomer, et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Melchisedec, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était le sacrificateur du Dieu Très-Haut. Il bénit Abraham et dit, « Béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu Très-Haut, qui a livré les ennemis entre tes mains. Abraham lui donna la dîme de tout. » Je vais prier. Seigneur Dieu, tout homme qui a été à l'école peut ouvrir cette Bible, la lire devant ses propres frères. Seigneur Dieu, je te prie simplement de nous donner un bon moment cet après-midi, car nous avons consacré notre temps pour cette cause noble, cette cause juste, cette cause sacrée, de venir exposer nos cœurs et nos âmes, nos petits esprits devant toi, dans le but, ô Dieu, d'être attiré vers le haut, d'être attiré vers ce qui est supérieur, et d'être attiré, ô Dieu, vers ce qui est parfait. Ces paroles, ô Dieu, détiennent des vertus, détient des vitamines, détient des secrets, détient de pouvoir, détient presque tout, Père. Car la parole est une semence et la semence détient les racines, détient les germes, détient la tige, détient les branches, détient les étamines, détient les fleurs, détient le fruit. Oh Dieu, nous t'aimons beaucoup. Nous n'avons pas
un endroit plus meilleur qu'être dans l'église. Notre saint prophète nous avait dit que quand on arrive au temps de la fin, les véritables croyants aimeraient toujours être à côté d'un prédicateur pour écouter l'évangile Seigneur. Le monde est presque à la fin. Il n'y a qu'une ruine soudaine qui nous attend. Il n'y a qu'un départ secret qui nous attend. Seigneur Dieu, apprête nos cœurs. Ces choses, nous les apprenons pas simplement comme une connaissance théologique aux dieux humains. Nous les apprenons, ô Dieu, car ils sont des voies de réveil pour nos âmes. Nous construisent, ô Dieu Tout-Puissant, nous bâtissent et nous apprêtent, ô Père, à défier la loi de la pesanteur. Seigneur Jésus-Christ, règne sur nos cœurs, règne sur nos âmes, règne sur nos vies, ô Père. Sois le maître et le patron de nos âmes, de notre avenir, de notre temps, de notre santé. Et chaque fois que nous sommes en vie, en bonne santé, tire profit dans notre santé, tire profit dans notre vie, tire profit dans notre argent, tire profit dans notre beauté, tire profit dans notre bonté, tire profit dans tout ce que nous avons, tire profit dans la force que tu nous donnes, tire profit dans tous les biens matériels que tu nous donnes. Que tout soit uniquement pour ta gloire, car nous avons été créés réellement pour être des sujets de Dieu et être conduits, guidés par les grands maîtres. Merci Seigneur Dieu. Cette réunion, ô Père, elle t'est ouverte. Elle est donnée, Seigneur Jésus-Christ, pour ta gloire et ton honneur et pour ton adoration, Père. Ainsi, Père, contrôle chaque mouvement de l'Esprit dans ce bâtiment, qu'il y ait un seul Esprit suprême, qu'il y ait un seul Esprit supérieur, qu'il y ait un seul Esprit fort, qui est un seul esprit dominant. Oh Dieu, cet esprit du Logos, cet esprit de la grande théophanie, de la grande fontaine, Père éternel. Oh Père, je sais que nous voulons parler des choses où même les anges qui sont parmi nous seront là en train de s'étonner de ces choses, parce que ce sont des choses qui n'ont jamais monté dans le cœur de l'homme, des choses qui n'ont jamais monté dans l'esprit de l'homme. Oh Père éternel, merci beaucoup, oh Dieu. Que la gloire te revienne, que l'honneur te revienne, que l'adoration te revienne, toi seul, ô Père éternel. Règne et prends la prééminence. Ainsi, par l'autorité de la parole, l'autorité de l'évangile, je déclare ouverte cette réunion et cette petite série de prédications au nom suffisant et parfait du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Oh, c'est très bien. Imuzuri sana. J'ai pensé introduire les sujets dont je vous ai parlé en semaine. Niliwaza kuanzisha kishinale nimeonesha wiki inapita. Sur qui est ce Melchisedek? Ya kwamba Melchisedek huyu ni nani? Un grand message. Kwani ni ujumbe kubwa. Ce n'est pas un message qui a trait seulement pour nourrir la connaissance de quelqu'un. Na ina tu ujumbe ile nahusu kupatia akili ujuzi ya mtu. Non, il n'a pas ce genre de caractéristiques. Je ne voudrais pas les présenter de manière que ça soit juste une connaissance que quelqu'un connaît et puis c'est tout. Il a une tendo yake na mimi sipende kumionyesha wewe kwa sani elimu wala ujuzi mtu anapata na binishia pale. Et cela a trait à notre propre personne. Yo ile na usu bumutu bwetu et a trait de notre vie au-delà de cette vie terrestre. Na ina usu maisha yetu kupita hapo maisha ya kidunia hii tunaishi. Donc ça trait avec cela. Kusema inambatana na ile. Et c'est pourquoi j'avais souhaité, je souhaiterais que chacun de nous tire un peu attention à chaque mot ou à chaque phrase qui est utilisée. Njoo kwa maana nitapenda kila mweka wetu akebe ange kwa msemo na kitu kyote kile kitatoka hapa. Et avant qu'on avance, je voulais enlever
de petites lacunes. Mbele ya kuchofa mbele nilipenda kusawanisha kwa mambo fulani. Parce qu'il y a des petites choses que, qui n'étaient pas dans le programme mais qui ont été dites ici derrière la chair. Kwani kukua bitu kiloko bila bekuwa kumaplo lakini mukongoni ya mimbari bilisemwa. Et cela demande que la preuve à la puisse soit apportée. Na yo inalomba akikisho kabisa ikuwe mubile bitu bilisemewa. J'ai une préoccupation d'un frère qui m'a posé une question, celle de savoir, bon, apparemment, pasteur, la théophanie, la théophanie, l'âme, le corps, c'est comme si c'est deux, trois choses différentes comme ça. Kuko nduku mo aliniswali anasema mchungaji, théophanie, mwili na nafsi. Inakuwa sana bitu tofauti. L'âme, nafsi, c'est quelque chose à part. Iko sana kitu kwa fasi yake. La théophanie aussi, théophanie, quelque chose à part. Na yuko fasi yake. Le corps aussi quelque mwili chose à part. Mwili pia kwa fasi yake. Et ce sont des choses très sensibles. Ni bitu bia upana sana. Ce sont des expériences auxquelles un chrétien doit passer. Na ni onjo ile kila mkristo anapasha kupitia amo. Et il arrive des fois quand vous allez dormir, vous faites l'une de ces expériences-là. Na mara mingi wakati mnaenda kulala mnakuwa mko naonja ile kitu kama ile. Donc quand vous allez pour dormir, wakati mnaenda kulala, vous arrivez sur votre lit, unafika mkitanda yako, vous somnolez d'abord, unaanza kusinzia, somnolez d'abord, unasinzia, et puis à un moment donné vous dormez, kisha na wakati mmoja unalala, et puis vous êtes déconnecté, kisha wewe unatoka mchomeko ya mawazo yako. Et puis vous sortez. Kisha unatoka. Et il reste un lien surnaturel qui vous lie avec ce qui est resté là. Kuna bakia kiungo moe ya kimbingu kinaambatana na ile mwili inabakia pale. Qui fait que dès qu'on coupe, ile nafaa kwamba wakati tu bakakata, tu restes un cadavre. Wewe unabakia tu ni kitumba. Et ça fait que tu peux être là, quelqu'un en train de te poursuivre avec un couteau. Et puis le corps qui est ici est en train de suer et de vibroter. Puis il y a des sueurs. Vous vivez ces événements-là. Et quand on vous bloque là-bas, demain on vous pleure. Alors, c'est un peu dans ce domaine-là où nous sommes. Et ce sont des choses qui sont arrivées au cours de la Bible. Et c'est pourquoi je voulais d'abord qu'on bouche ces petites lacunes, ça et là, avec quelques citations. Et c'est ce qui va nous permettre de s'envoler très bien, parce que ça sera, ça peut être très profond. Peut-être qu'il ne demandera pas des amens où les gens seront là en train simplement de suivre ce qui est dit. Et alors j'ai dit aussi quelque chose que Adam n'a jamais péché. Et ça aussi préoccupait un frère. Mais on dit que toutes les difficultés que nous avons ici, c'est parce qu'Adam avait péché. Alors, je pense, chez les juristes, ils utilisent un mot qu'on appelle le dol. C'est-à-dire que des manœuvres mensongères que quelqu'un peut utiliser pour arracher quelque chose auprès de quelqu'un d'autre. Et nous ne parlons pas que Adam n'a pas péché comme les gens qui sont de l'autre côté là. Nous, quand nous disons que Adam a péché, nous voulons dire que Adam n'a pas été séduit. Tunapenda kusema kwamba Adamu akutongozewa. Amen, amen. Amina. Le diable a utilisé de manière dolosive pour faire tomber
Eve. Ibilisi alitumikisha ujanja juu ya kuangusha Ewa. Et c'est pourquoi on utilise le verbe séduire. Njo kwa maana banasemaka msemo utongozi. C'est quand vous lisez le dictionnaire Westberg, c'est là où Frère Branham tire le bon sens de la définition de séduire. Ukasoma kamusi Westberg, ndio kule ndugu Branham anatosha maana ile msemo utongozi. Il dit c'est un homme qui parle à une femme l'histoire d'amour pour gagner son cœur pendant que cette femme ne lui appartient pas. Ni mwanaume anaongea na mwanamke bitu bya mapendo wakati ule mwanamke asina wake. Amen, amen. Amina. Et Adam lui, na Adamu yeye, n'a pas été séduit. Akutongozewa. Amen, amen. Amina. Et alors il fallait aussi commettre un peu la clarté là-dessus. On donne un peu une citation qui peut éclairer la chose. Pour qu'on marche ensemble, qu'on n'ait pas trop de choses qui nous suivent par arrière. Est-ce que nous sommes ensemble? Ok, je prends Genèse chapitre 3. Je résous d'abord le problème du péché d'Adam. Genèse chapitre 3, le verset 13. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi tu fais cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Là c'est très clair. Il est quoi, wazi. Donc le serpent a séduit la femme. Nyoka litongoza mwanamuke. Et Dieu a puni tout celui qui a brisé l'écriture. Na Mungu alilapiza wote alivunja maandiko. Sauf Adam. Pasipo Adamu. Il a suivi le serpent. Alifata nyoka. Comme tu es debout. Ivuko bwima. Comme tu es debout. Ivuko bwima. Tu seras reptile. Wewe utakuwa kutambala. La femme, mwanamuke, tu auras de la douleur. Utakuwa na maumivu. L'homme, mwanaume, comme tu n'as pas péché. Hivi haukutenda zambi. Toi tu n'as pas péché. Hivi haukutenda zambi. Tu as fait sciemment. Ulifanya kwa makusudi. La terre. Bulongo. Toi tu vas faire comme ça. Utateswa kwa kupata matunda ya bulongo. Donc la femme, mwanamuke, a subi. Ye alipata. Le serpent a subi. Nyoka pia. Mais il n'y a que deux personnes dans la Bible lakini kwa tuni batu mbili qui ont subi un jugement mais qui n'ont jamais connu un péché. Bale bali lapizwa, bali ukumio, lakini on les a condamnés, on a dit qu'ils étaient des pécheurs mais ils n'ont jamais péché. Bali ukumio, banasema ni waovu, lakini wakutenda maovu. La première personne c'est Adam. Mutu wa kwanza ni Adamu. Et la deuxième personne c'est Jésus. Pili ni Yesu. Mais ils sont considérés comme des pécheurs. Lakini wo, anaonekana kama waovu. Mais ils n'ont jamais péché. Lakini abatenda kama waovu. Mais ils ont été condamnés. Les jugements les ont frappés. Na hukumu iliwapika. Les deux innocents. Bale basipo mambo bawili. C'est parce que Dieu approche les péchés à sa manière. Kwani Mungu yana anakaribishaka waovu mnamuna yake. 1 Timothée chapitre 2. Timothée ya kwanza sura ya pili. Le verset 11. Usara 11. Que la femme écoute l'instruction en silence. Muke asikie marekebisho kwa kimya. Avec une entière soumission. Na utiifu kubwa. Je ne permets pas à la femme d'enseigner. Siruhusie mwanamke afundishe. Ni de prendre l'autorité wala sur l'homme. Beba utawala juu ya mwanaume. J'ai toujours aimé ici. Est-ce que vous pouvez dire amen? Eti unasipashu sema kwa amina. Amuseme mzuri. Museme tena amina. Il y en a qui ne disent pas parce qu'ils ont des femmes têtues auprès de leur mari. Des femmes qui parlent à la maison avec son mari, il tape aussi sur les poings. Si c'est le divorce, moi-même je suis là. Il tape. Et toutes les maladies, et quand je prêche et je suis chaud ici, c'est à cause de j'ai chaud ici, c'est à cause de toi. Magonjwa yote ni wasana hapa ni wasana niko na kivukutu ni juu yako. Parce que tu avais quitté la parole, maintenant j'ai chaud. Wo ulitoka kuneno hapa sasa mimi naanza kupata kivukutu juu yako. Parce que quand l'homme était seul, il n'y avait pas de la chaleur. Wakati mwanaume kwa yeye peke, hii kivukutu ya kukuwaka yako. Je ne permets pas à la femme d'enseigner. Si Roussie, mon amour, qui a fondiché, ni de prendre de l'autorité sur l'homme. Voilà, beba, utawala, Dieu, mon donc, si tu es ici, tu as toujours eu des paroles dures, tu gonfles, tu prends des décisions à la maison, sache que ce n'est pas le plan de Dieu.
Kama we mbele ya bwana wako unakuwaka ni wakiburi au siki yake wewe ndio unapenda kwa kichwa jua kwamba haina maplo ya Mungu. Mais elle doit demeurer dans le silence. Kini ampasha kubakia mkimya. Car Adam a été formé le premier Eve ensuite. Adam alitungwa wa kwanza kisha Eva akafuata. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit. Na Adam ndio alitongozewa. C'est la femme qui, mwanamke ule, séduite, mwenye kutongoziwa, s'est rendu coupable de transgression. Akahukumiwa juu ya maovu yake. C'est la femme qui a amené le brisement de la parole. Mwanamke ndio alileta kuvunjwa kwa neno. Ce n'était pas l'homme. Haikukua mwanaume. Ce n'était pas Adam. Haikukua Adamu. On a joué avec son esprit. Alicheza tu na roho yake. Et nous le voyons, non? Na sisi tunaionaka. Veuillez voir une femme sortir avec la sentinelle. Unapasha kuona mwanamke anatoka na zamu. Mais vous lui avez tout déjà donné. Wewe ushakumpatia biote. Allez vous demander, elle est arrivée à ce stade là comment? Anafika hapo tu je huku. Et on a travaillé simplement avec son esprit. Mika tu roho yake. On a travaillé son esprit et on lui a dit des choses, elle s'est emportée. Na mwanamke bintu yeye anabebwa. Elle a brisé la parole. Anavunja neno. Mais Adam n'a jamais brisé la parole. Lakini Adamu hakuvunjaka neno. Mais il maîtrisait la parole. Lakini alikuwa anatawala neno. Mais c'est son amour qui lui a fait porter un fardeau que lui n'était pas responsable. Ni mapendo yake alifanya bebe buzito ya mambo ya siku. Dans le message l'identification. Maubiri utambulisho de 1964 paragraphe 35. Eh bien, c'est Frère Branham maintenant qui interprète les écritures que je viens de lire. Eh bien, il faut quelque chose pour racheter cette femme déchue qui avait été représentée par Ève lorsqu'elle est tombée. Adam n'avait pas été séduit. Adamu akutongoziwaka. Mais la femme, lakini mwanamuke, étant séduite, mwenye kutongoziwa, est tombée dans le péché. Alianguka muzambi. Adam savait qu'il faisait ce qui était mal. Adam alijua kwamba yeye anafanya pale ni mubaya. Mais pas la femme. Lakini hapana mwanamke. C'est la raison pour laquelle. Est-ce que c'est très clair? Etiko wazi wazi. Adam lui savait ce qu'il faisait. Adamu alijuaka bile alikuwa anafanya. En allant mettre la semence là-bas. Mkwenda kuweka mbegu pale. Il le faisait sciemment. Alifanya kwa makusudi. Mais Eve, lakini Eva yeye, pour avoir la semence du serpent, kwa kupata mbegu ya nyoka, on l'a séduit avant de la déshabiller. Bali mutongoza mbele kumuacha utupu. Avant qu'elle lâche. Mbele yeye achilie. On l'a enlevé dans la parole. Alimutosha muneno. Et elle est tombée. Na anguka. Mais lakini, Adam lui Adamu non. Yeye hapana. Il est allé déposer la semence sciemment. Bien que le mariage n'était pas encore célébré. Mais c'était sa femme. Mais pour le serpent, il a engrossé la femme d'autrui. Et Dieu n'aime pas ça. Est-ce que vous saisissez? Donc lui, il y est allé sciemment. Adam savait qu'il faisait ce qui était mal. Adam alijua kwamba bile konafanya ni bibaya. Mais pas la femme. Lakini hapana mwanamke. C'est la raison pour laquelle. Jomana, je ne blesse pas vos sentiments. Mie silumize mania yenu. Mais vous savez que j'ai toujours soutenu cela. Lakini mnajua kwamba na uzuri yaka paka je ne suis pas d'accord avec les femmes prédicateurs. Sikubaliane na wanawake wale wanahubiri. Parce que les choses ne sont pas censées être ainsi. Voyez-vous, elle est un vase plus faible. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Les hommes, vous pouvez dire amen. Les sœurs, vous allez un peu m'aider. Hein? Vous allez m'excuser un peu. Parfois, j'ai toujours été comme misogyne. J'ai toujours été comme un peu misogyne. Vous savez. Parfois, je me suis toujours dit que la seule manière de garder la femme, parfois, c'est la loi. Quand vous la laissez libre, quand vous dites que bon, c'est une personne aussi, qu'elle soit libre, vous la perdez. Vous la perdez. Vous
pouvez la prendre, vous amener dans un endroit là. Vous achetez le coca, vous prenez, prenez, vous mangez le sandwich. Vous dites que c'est une personne, qu'elle devienne quand même libre, qu'elle se sente à l'aise. Vous l'amenez là-bas. Et puis le lendemain, vous allez à Fungurume au travail. Elle va partir seule là-bas. Et puis un monsieur viendra lui acheter quelque chose. Et ce n'est pas un problème. Puis on mettra des petites choses là-bas. Et puis elle va rentrer en train de pleurer. Juste la bonne chose que vous avez dit, qu'elle est quand même libre. Il est tout dans Zuru, il s'est dit qu'on a eu Uru. Alors avec cette histoire, reste à la maison, garde mes enfants. J'aimais Virgile. Je ne blesse pas vos sentiments. Mais vous savez que j'ai toujours soutenu cela. Je ne suis pas d'accord avec une femme qui prêche. Parce que les choses ne sont pas censées être ainsi. Voyez-vous, elle est un vase plus faible. Eh bien, nous trouvons que cette femme a été séduite par quelqu'un qui lui a cité la parole et qui a laissé juste un tout petit peu de côté. C'est cela qui a causé tous ces troubles. C'est la raison pour laquelle Paul a dit qu'elle garde silence dans l'église. Je ne l'autorise pas. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? La position d'un croyant en Christ. Paragraphe 12. Romanam dit ceci. Dites donc, il y a encore une chose que j'aimerais partager avec vous pendant que cela me vient à l'esprit. Un ministre ou deux ont appelé au téléphone et ont contacté mon manager et ont ainsi de suite concernant la remarque que j'ai fait l'autre soir. Je suis sûr que c'était mal compris. Comme quoi, au sujet d'Adam et Ève, eh bien, il était dit que il pensait que j'ai dit qu'Adam n'avait pas péché. Adam a péché. Il a été condamné. Et Dieu l'a chassé du jardin d'Eden. Voyez-vous, c'est ce qui montrait la robe de la rédemption qui était sur lui. Voyez-vous, eh bien, voici ce que j'ai dit. C'est qu'Adam avait péché volontairement. Amen. Ce n'est pas que le diable était plus malin, il l'a triplé. Non. Il avait la théophanie. Il avait la conscience de la vérité. Il avait la conscience de la parole. Il savait la parole. Il savait même quand vous brisez ce que ça donnera. Et il est resté longtemps. Beaucoup d'années seul là-bas. Le diable ne l'a jamais séduit. C'est pourquoi on dit que lui l'a fait volontairement. Il a fait volontairement. Voyez-vous? Vous voyez? En fait, c'est Ève qui était séduite. Ce n'était pas Adam qui a été séduit. Il a délibérément péché. Voyez-vous, il a délibérément péché, sachant ce qu'il faisait. Vous savez, ça c'est une dimension uniquement pour les enfants de Dieu. C'est très loin ça. C'était à cause de sa femme. Il s'est rangé du côté de sa femme. Oui, ils se sont tous deux présentés devant Dieu. Et ils ont été condamnés. Amen, amen. Amen.
Mais Jésus lakini yetu n'était pas ignorant de ce qu'il faisait. Akukosaka kujua bila alikuwa anafanya. Il est descendu alishuka, et il s'est rangé du côté du pécheur. Alipanga ngambo ya muovu. L'église. Kanisa. Amen, amen, amen. Amen, amen. Le pécheur c'était l'église. Muovu ilikuwa ni kanisa. Mais lui est descendu lakini yeye anashuka, et pour s'inspirer sous l'enseignement d'Adam, Dieu akupulizia mafundisho ya Adam. Il s'est rangé du côté de l'église. Ngambo ya kanisa. Et la sentence l'a frappé. De la même manière que ça a frappé dans les jardins de Dieu. Mais il était innocent. Na il n'était pas pécheur. Kosa, parce que Jésus lui-même était la théophanie, c'était la vérité marchande. Et le diable ne pouvait pas le faire tomber. Et Adam aussi, on ne pouvait pas le faire tomber. Est-ce que c'est très éthique ou wazi-wazi? Amen, amen. Amina. Il dit anasema, du côté de l'église, enfin qu'il puisse racheter l'église et la ramener à lui-même. Voyez-vous, vous voyez, j'ai dit que c'était un type. Adam était Christ et le second Adam. Christ, Adam, Christ, on a Adam ou Apili. Par le premier Adam, Adam ou quoi, tout était mort. Yote par le second Adam, Adam ou Apili, tout vit. Yote mais le malentendu était qu'il pensait que j'ai dit qu'Adam n'a point péché. Adam avait effectivement péché, mais il l'a fait avec les yeux grandement ouverts. Avec les yeux grandement ouverts. Il n'a pas été triqué, dribblé, il est tombé dans. Il est allé dans les histoires sciemment. Avec les yeux grandement ouverts. Sachant même ce qui arrivera. Sachant même la mesure que Dieu prendra. Il l'a fait. C'est pourquoi lui n'a pas été séduit, n'a pas péché, il est allé volontairement, et Dieu aussi a imité ça. Il est venu aussi, il a imité la même nature à côté de l'église, cette église qui me regarde ce soir. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Il dit, anasema, est-ce que on peut passer, c'est suffisant. Eti, sinenea, tunapasha kupita. Amen, amen. Amina. Ça c'est suffisant. Isha kuenea. C'est suffisant. Inenea. Donc, il n'y a que ces deux personnes. Nipaka babatu bawili tu. Adam et Jésus qui n'ont pas pu vraiment pécher. Je vais prendre encore une autre citation pour aussi éclairer quelque chose que nous avons dit. Parce que, effacez-moi un peu le tableau là. Et cette préoccupation du frère là, je l'ai trouvé vraiment très très pertinente. Et réellement c'est très pertinente. Quand nous parlons de la théophanie, quand nous parlons de l'âme, parce qu'il y a quelque chose que je ne cesse de répéter, j'ai dit que toutes les théophanies ne sont pas la parole. Et théophanie, c'est un mot emprunté chez les théologiens. Mais le véritable mot dont nous sommes en train de parler, amen, amen. J'aimerais vraiment que la personne là me saisisse très bien. Donc, quand nous parlons de l'âme, ça, c'est ça la pensée de Dieu. Et nous disons maintenant que l'âme est une théophanie. Et quand ça devient une théophanie, on veut parler maintenant de la forme. De la forme. Donc,
La colonne de feu, nguzo ya moto, peut devenir une théophanie. Inapasha kuwa théophanie. Toutes les âmes, manafsi yote, ne sont pas la théophanie parole. Aina théophania neno. Mais toutes les âmes, lakini manafsi yote, ya komete au pluriel, toutes les âmes, manafsi yote, sont des théophanies. Ima théophania. Toutes sont des théophanies. Yote ni théophania. Mais toutes les théophanies ou toutes les âmes, wala manafsi yote, ne sont pas la parole. Aina neno. Je vais dire ceci. Apenda kusema hivi. Ça ne vient pas du logos. Aitoke mu logos. Ça ne descend pas du logos. Aitoke mu logos. Ça ne descend pas de la vérité. Aishuke mu kweli. Ça ne descend pas de la lumière. Aishuke mu nuru. Toutes les âmes. Manafsi yote. Parce que si ça descend de la lumière, manina, kama inashuka mu nuru, ça n'aura pas de la place en enfer. Itakuwa na fasi mu gehena. Mais il y a des âmes en enfer. Comment est-ce qu'une âme parole peut se retrouver en enfer? Vous voyez? Donc toutes les théophanies ne sont pas des corps parole. C'est très clair. Comme je peux redire, toutes les âmes ne sont pas faites de la parole ou ne viennent pas de la parole. Toutes les âmes ne sont pas une partie de Christ de la parole. Est-ce que c'est très clair? Donc vous pouvez avoir une théophanie, mais qui n'est pas la parole. Cette théophanie-ci est appelée... parfois par d'autres étrangers ou bien d'une manière vulgaire dans nos villages, un fantôme. Ah, voilà. Un fantôme. Je vais le dire, ça est même dans la Bible. Vous voyez. Donc, le logos, logosi, la parole, neno, la lumière, nuru, peut devenir une théophanie. Na pasha kuwa théophanie. Et théophanie, c'est une forme. Na théophanie ni umbo. Et cette forme, na ile umbo, on appelle théophanie. Inabanyesa théophania. C'est quand l'âme. Ni wakati nafsi. Suivez-moi très bien. Munifate mzuri. C'est quand l'âme. Ni wakati nafsi. Qui peut me dire la taille de l'âme? Na pasha onenesha bunene bwa nafsi. Vous voyez? Munaona. Vous avez l'idée l'âme a quelle taille? Muna wazo nafsi ndakuwa na bunene bwache. L'âme est ronde? Nafsi iko kiviringo? L'âme est triangulaire? Wala iko na makona tatu? L'âme est carré? Wala iko na makona ine? L'âme est rectangulaire? Wala iko ya makona ine la ya mulefu? Vous voyez? Munaona. Maintenant, quand on a appelé théophanie, wakati maneta théophania, c'est quand l'âme prend cette position, cette forme. Wakati nafsi inabeba hii umbo. Sans l'eau, sans le sang. Pasipo mai, pasipo damu. C'est ainsi qu'on l'appelle théophanie. Joyi wanaita théophania. Sinon c'est l'âme. Akika ni nafsi. Ça prend un nouveau nom qu'on appelle théophanie parce que ça les mains. Banaita jina mupya ça les pieds, mais ça n'a pas le sang, ça n'a pas l'eau. Lakini haina na damu, haina na mai. Est-ce que c'est très clair? Etiko wazi wazi. Est-ce que c'est très clair? Etiko wazi wazi. Suivez-moi très bien. Munifate mzuri. C'est ce qui était arrivé, c'est ce qu'elle rache a prêché. Joy elle rache a lubiri. Parce qu'elle rache vous a présenté le mouvement de Dieu pendant 7000 ans. Elle rache a limionesha mouvement ya Mungu mamiaka elfu saba. C'est ce qu'il était en train de vous prêcher. Joy lakwa na mubiri. Il était en train de vous montrer comment Dieu s'est déplacé pendant 7000 ans. Elle kwa na tembea wakati ya miaka elfu saba. Est-ce que tout le monde regarde, voit là-bas? Eti mutu yote kunaona hapa. C'est-à-dire, quand il a quitté l'éternité, sous l'état de l'esprit, il est entré dans le temps. On a commencé le premier jour, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième, le septième, c'est ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est pratiquement 7000 ans. Et quand il est sorti ici, wakati anatoka hapa, il n'est pas une théophanie. Asina théophania. Il est le logos. Yeni logos. Le logos, logos. Il est l'halo de lumière. Yeni halo ile nuru. Il commence la création. Ananza umbaji.
Quand il arrive au sixième jour, c'est là où il devient la théophanie. C'est là où il sort maintenant de sa bouche. Créons l'homme à notre image. C'est très clair. Et il a achevé cela dans le septième jour en le mettant dans le corps. Donc le logos, il est logos, qui est la lumière, il est qui est l'allô. Il est allô. Et cet allô, il est allô. Pendant six jours, il créa au moyen de la forme d'allô et non théophanie. Il était la parole. Il était le logos. Maintenant, la même parole, arrivé le sixième jour, là où il fallait créer l'homme, c'est là où maintenant sa prise, le feu, la boule de feu là, a poussé maintenant à des mains comme ça. C'est maintenant sous cet état qu'il dit maintenant, faisons l'homme à notre image. Ressemblance. Et il crée maintenant quelque chose qui a des mains. Et c'était l'homme. Et cet homme-là était une théophanie. Ce que l'Église saisit. C'est dans le sixième jour. Et le septième jour, il achève l'œuvre. Donc, en prenant cette théophanie, qui est une âme. Est-ce que vous saisissez? Qui est un corps. Il le met là-bas. Alors s'il prend l'âme, il le met dans le corps. L'homme devient triple ou bien il devient double. Il devient double ou bien il devient triple. Parce qu'on dit qu'il devient un être vivant. C'est pourquoi c'est très capital. C'est les bases que je veux mettre. C'est très capital que vous saisissez ça. Je pense ici, nous tous nous sommes d'accord. Donc celui qui a suivi qui est l'homme avec le pasteur racheté n'a pas de difficultés. C'est ça. Il a créé l'homme. Avant de le créer, il s'est donné d'abord la forme. Sur base de cette forme, il a créé quelque chose qui le ressemble. Et on s'est retrouvé avec deux théophanies. L'homme là-bas et Dieu ici. Amen, amen. Mais ayant deux visages différents. Et il prend maintenant l'autre. Il le met en Adam. Donc, vous ne pouvez pas vous dire que comme vous avez une âme, nécessairement vous devez aller au ciel. Ou bien votre âme est la parole. Non, ce n'est pas ça. C'est pourquoi il faut que ça soit très clair. Moi, j'ai voulu que ces petites bases-là soient mises. Et pour que chacun de vous, quand on va commencer à monter, vous vous retrouvez. Maintenant, le message, avoir soif de la vie. Paragraphe 12. Le logos qui est sorti de Dieu. Comme sans vouloir marqué d'égard aux fidèles catholiques, mais l'église catholique, mes origines, ma famille est catholique. Et vous les catholiques qui êtes ici, le livre intitulé « Les réalités de notre foi » et ils utilisent l'expression « Fils éternel » et Dieu. Cette expression n'a pas de sens d'après moi. Le mot éternel signifie éternité. Et ce qui n'a ni commencement ni fin. Et fils signifie ce qui a eu un commencement. Alors comment pourrait-elle? Il peut y avoir un Dieu éternel, mais jamais un fils éternel. Un fils, c'est quelqu'un qui a été engendré. Donc cela a eu un commencement. Ainsi. Et le logos, lequel était le fils de Dieu? Il est le logos. Logos. Quand on parle de logos, la forme qu'il y a, c'est celle-ci. C'est ce qui était là en Genèse. C'est ce qui avait créé. Ce n'était pas la théophanie. C'était sous ce format pendant six jours. Le sixième jour, la même colonne de feu a donné des mains. C'était une lumière. C'est ce qu'il est en train d'expliquer. Ça. Et alors, naïvi,
Il dit, anasema, et par cette grande fontaine de pureté, na kupitia kishima kubwa ya utakaso, Dieu, Mungu, et alors que ces esprits sortaient, wakati le maro likuwa natoka, cela créa le logos. Yo ikaumba logos. C'était un corps. Ilikuwa mwili. Et quand on dit corps, na wakati masema mwili, il ne faut pas toujours penser au corps humain. Wo siwaze paka mwili ya mutu. Non, non, il y a le corps des quadrupèdes, on lira cela dans Corinthiens. Ukoma mwili ya quadrupèdes tutaisoma tena. Il y a le corps des quadrupèdes. Ukoma mwili ya quadrupèdes. Un corps qui a quatre pieds. Mwili ko na mamikulu ine. Et là, quand chaque fois on parle le corps, toi ne vois pas simplement un humain. Ouais, wakati wanasema mwili sio wa binadamu. Ona umbo. Que la chose peut prendre. Kile kitu kinapasha kubeba. Et c'est un corps. Na yule kuwa mwili. Et cela avait la forme. Na yule kuwa na umbo. De ce que nous sommes maintenant. Et kile sisi tuiko hapa sasa. En effet. Na kwa kusema, c'est le langage du clergé. Musemo ya mchungaji. Ça s'appelle une théophanie. Inaitwa théophania. C'est un corps dans lequel il n'y a pas d'esprit. Ni mwili ile ndani yayo hamuna roho. C'est pourquoi je vous ai posé la question. Kama nimeuliza. Si ce corps théophanique, kama hii mwili théophanie, c'est ce qui était entré en Adam. Jo lingia ndani ya Adam. Alors il est devenu double ou bien il est devenu triple. Inakuwa tatu. Parce qu'il n'y avait pas l'esprit. Bwana kukua roho. Ça fait madame qui dit ça. Pourquoi j'aime mettre toutes ces bases-là? Mina pena niwekele mamusingi. La théophanie, théophania, c'est un corps dans lequel il n'y a pas d'esprit. Ni mwili ile ndani yayo hamuna roho. C'est un corps qui vous attend. Ni mwili ile kona michunga. Vous les chrétiens. Mwaye wa Kristo. Pouvez-vous dire amen au frère Branham? J'ai dit que ce sont des petites choses que j'ai mises. Nous en discutons ensemble pour qu'on monte bien. Donc, la théophanie. Pour Adam, lui. Je pense que le pasteur avait beaucoup insisté. Pour Adam, lui. C'était la parole. Mais à partir de cette. C'est là où des problèmes ont commencé. C'est ce qui explique pourquoi nous prêchons. Vous voyez. Parce qu'à partir de 7, et 7 est mort, il était aussi à la ressemblance. Ça, c'est Genèse chapitre 5. Et quand il a mis 7, l'autre enfant qui a suivi ce qui est. Quand Abel a été tué, et puis 7, cette progéniture-là, et vous avez vu comment l'entrecroisement était en train de se mêler, de se marier avec des humains, et jusqu'à aujourd'hui. Vous voyez. Donc, et nous avons contourné quelque chose. Ça, nous allons lire cela dans la demeure future. Prenons encore quelque chose. Dans Hébreux chapitre 2. Donc, c'est un corps dans lequel il n'y a pas l'esprit. Suivons encore. Néanmoins, c'est un corps. Hein? Parole. Pour les chrétiens. Juu ya wa Kristo. Pourquoi faut-on insister pour les chrétiens? Ni juu ya wa Kristo. Mais les païens aussi. Lakini wapagano pia. Ont des âmes. Beko na manafsi. Ont des théophanies. Beko na matéophania. Mais qui ne sont pas des corps parole. Lakini ana mamwili neno. Suivez très bien. Ufate mzuri. Paragraphe 297. Kifungo yake ya 297. Hébreux chapitre Hébreux chapitre 2, troisième partie. 279. Tu peux me chercher ça ici. 279. Et cherchez-moi cela. Entre temps, je lis d'abord celle-ci. Question-réponse sur les Hébreux, troisième partie. 825. Ensuite, Dieu fit descendre l'homme un peu plus bas. Mungu alifanya mutu ashuke ko chini kiloko. Et, na, paragraphe 279. Hein, et, na, le plaça dans la vie animale. C'est ce que ses corps. Juste comme celui des animaux. De sorte, il dit, elle n'a pas de vue.
kusema aina na uzima. Elle n'a pas l'odorat. Aina na mpua. Elle n'a pas d'ouïe. Aina na masikio. Ces sens que nous avons. Ima isi tuko nayo. Dieu plaça donc l'homme pour qu'il touche et qu'il ait des sensations. Mungu aliweka mtu kusudi aguse na akue na mchechemuko. Amen, amen. Amina. Donc le corps théophanique. Kusema mwili ya théophania. Ce corps ici. Ii mwili. A des yeux. Iko na mecho. Mais pas comme le nôtre. Lakini aina kama yetu. Faut madame dire que ça n'a pas des yeux, mais ça a une vue meilleure. Il dit que ça n'a pas des oreilles, mais ça l'ouïe très élevé. C'est quelque chose qui est là. Il n'y a pas l'eau et le sang. Mais qui a un regard qui peut pénétrer même un mur. Non, ça a la capacité de vue plus que ce que nous avons. Et ça traverser un mur. Ça peut traverser un mur. Et ce corps-là, c'est un corps théophanique. C'est un corps parole. Si c'est pour les chrétiens. Amen, amen. Hébreux chapitre 2, troisième partie, 279. Maintenant, quand l'homme était dans cette forme de corps, il avait le contrôle sur tous les poissons et les oiseaux et sur les bêtes de champ. À ce moment-là, il n'y avait pas d'homme pour cultiver les sols. Il avait créé des mâles et des femelles, mais il n'y avait point d'homme pour cultiver les sols. Alors Dieu fit l'homme de la poussière de la terre et lui donna une main comme celle d'un chimpanzé et lui donna un pied comme celui d'un ours. Il le créa à l'image et ce corps terrestre et à l'image de la vie animale, et il a formé de la même espèce de matière. Votre corps est formé avec exactement avec la même matière qu'un cheval ou un chien ou n'importe quoi de semblable. Il est constitué de calcium, de la potasse, du pétrole, de la lumière cosmique. Enfin, vous n'êtes toute chair comme celle-là. Ce n'est pas la même chair, c'est une chair différente, mais elle est faite de la poussière de la terre d'où elle a été tirée. Mais la différence entre l'animal et un homme, et que Dieu a mis une âme dans l'homme, mais il n'en a pas mis dans un animal. On a fait l'âme nafsi, qui était dans l'homme, c'est cette théophanie. Est-ce que vous saisissez? Donc l'âme, c'est une théophanie. C'est une théophanie parce que les clergés ont voulu que ça soit comme ça. Et qu'est-ce qui fait que ça soit une théophanie? C'est parce que l'âme a des mains, a la forme humaine sans être humain. Amen, amen. Est-ce que l'église est en train de suivre? C'est très profond. C'est frère madame qui enseigne ces choses. Et je voulais que chacun de vous les comprenne. Suivez très bien. Dans qui est ce Melchisedec? C'est très profond. Prenons d'abord le roi rejeté. Le roi rejeté. C'est très bien. Parce que quand nous allons commencer à parler, il ne faut pas que tu aies encore de confusion. Et je voulais que les choses soient très claires. Il dit ceci. Dans qui est ce Melchisedec? Entre temps, tu me cherches le roi rejeté ici. Dans qui est Melchisedec 57? Remarquez, sa première nature, c'était l'esprit. Dieu surnaturel. D'accord. Le grand éternel. Deuxièmement, il commença à se donner une forme, se rapprochant de la chair. Une théophanie, comme on l'appelle, la parole. Neno. Amen, amen. Amina. La parole. Neno. Un corps. Mwili.
C'est donc l'état dans lequel il était lorsqu'il rencontra Abraham. C'est ce qu'il fit appeler Melchisédek. Il était sous la forme d'une théophanie. Maintenant, nous allons y arriver et prouver cela dans quelques minutes, si le Seigneur le veut. C'est ce que nous ferons le dimanche. Amen. 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 Dans le message, le roi rejeté, paragraphe 124, ailleurs c'est 96. Vous me mettez en train de dire là-bas que la théophanie, c'est un corps céleste. C'est un corps céleste. Et je vous ai dit qu'un corps céleste ne peut pas se retrouver en enfer. Un corps céleste, c'est un corps parole. C'est une partie de la divinité. Et ça, ça s'adresse aux chrétiens. Ça s'adresse aux fils de Dieu. Donc à l'intérieur de toi là, la chose qui est là, c'est un corps céleste, c'est un corps parole. C'est différent des autres personnes que nous allons citer ici. Amen, amen. Est-ce que nous marchons ensemble? Est-ce que nous marchons ensemble? Frère Branham, c'est un véritable prophète. Dans le même message, ujumbe moya moya. Qui est ce Melchisedek? Melchisedek ou ni nani? Paragraphe 67. Sitini na saba kifunga. Il dit que c'est un corps soumis à la parole. Anasema ni mwili ile kona ti neno. C'est un corps soumis. Ni mwili kona ti. Paysan. Ikona utiifu kwa neno. C'est un corps sans esprit. Ni mwili pasiporo. C'est un corps céleste. C'est un corps soumis à la parole. C'est un corps parole. Et cela concerne les chrétiens. C'est très clair. Maman, est-ce que vous suivez? Ces choses que j'ai dit, nous parlons de ce que nous sommes. La manière dont nous sommes. Et quand vous découvrez ça, même quand vous vous agenouillez pour prier, vous allez voir que vous allez prier différemment. Vous allez prier différemment. Moi, nous avons vu avec vous que Jésus priait pour être en communion, en harmonie avec l'Esprit qui était en lui. Être en harmonie avec la théophanie qui était en lui. Je prends 1 Pierre chapitre 3. Petro wa kwanza sura yake ya 3. Le verset 18. Sura yake ya 18. Christ a aussi souffert une fois pour les péchés. Christo naye mara moja aliteswa. Lui juste pour des injustes. Yeye mwaki tu afin de nous amener à Dieu. Kusudi atupeleke kwa Mungu. Ayant été mis à mort quant à la chair. Wenye alikufa mukimwili hivi. Vivait. Mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit. Lakini mukiroho alikuwa naishi. Dans lequel mwili dans lesquels Mouille, il est allé prêcher aux esprits en prison. Est-ce que vous saisissez? Lui, et pourtant Frère Branham dit que quand Jésus mourit à la croix, il y a eu un scindage. Le corps Mwili, est allé rester sous la dalle. Pale la théophanie Teofania, est allé prêcher. Inaenda kubiri. Est allé prêcher à qui? Inaenda kubiri nani? Aux âmes qui ne s'étaient pas repenties à l'époque de Noé. Nafsi le kutubuaka wakati ya Noa. Et il est allé leur prêcher quoi? Inaenda kubiri nini? Le salut? Okofu? Non. Apana. Il est allé leur sceller la condamnation. Anaenda kuwahukumu. Ces âmes-là, il est ma nafsi, qui avaient écouté Noé. Et une théophanie est descendue, pas pour aller prêcher un nouveau message, mais pour répéter le même message que les gens avaient rejeté. Parce que Noé, il était le représentant de cette théophanie à son époque. Il était la parole révélée à l'époque de Noé. Et c'est l'âme qui croit. C'est le cœur qui croit. Et ces âmes-là avaient rejeté.
rejeté le message de leur temps. Quand Jésus vient, il les poursuit. Où? Ils étaient où? Parmi les sept dimensions, ils étaient dans quelle dimension? C'était dans quelle dimension? C'était dans la cinquième dimension. C'était comme ça. Il quoi arrivé? La cinquième dimension. Kiwango ya tano. Il y a le paradis ici. Kuko paradiso apa. Ici il y a l'enfer. Apa peko gehena. Ici il y a les esprits des démons. Apa peko maro mapepo chafu. Les esprits des morts. Apa peko maro ina kufa. Si vous êtes un chrétien, kama kwa Mkristo, bien croyant avant Jésus, vous restez ici. Utabaki ya apa pa paradiso. Vous voyez. Unaona. Et quand Jésus lui est descendu, Yesuka, il est allé suivre ces âmes-là manafsi, qui ne pouvaient pas avoir leur place ici. Il est allé les condamner là-bas. Vous avez refusé le message de votre temps. Alors, même si mon sang est fraîche, je ne vous sauve pas. Est-ce que vous saisissez? Même si mon sang est fraîche, là sur la terre, mais comme vous n'avez pas reconnu le sang de votre époque, je viens pour condamner vos âmes. Maintenant, ces âmes-là, c'était des paroles, c'était des âmes paroles, c'était des âmes célestes. Non. Dans lequel aussi il était allé prêcher aux esprits en prison. Qui autrefois avait été incrédule. Lorsque la patience de Dieu s'est prolongée au jour de Noé. Pendant la construction de l'arche. Dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées. Là nous sommes d'accord pale, que toutes les âmes ne sont pas célestes. Toutes les âmes ne sont pas la parole. L'âme parole se soumet à la parole. Neno, iko utifu muneno. Est-ce que vous saisissez? Eti mnashika mzuri. Lisons un peu aussi quelque chose. Usome tena kitu kimoya. Dans le message qui est Melchizedek. Melchizedek ni nani? Paragraphe 62. Fellowship, est-ce que nous marchons ensemble? Fellowship, tu je mets des petites histoires. Si tu ne les saisis pas aujourd'hui, tu auras des confusions le dimanche. 62. Dernièrement, j'ai lu dans le journal de Tucson un article racontant le cas d'une femme qui, alors qu'elle roulait, je crois environ 40 ou 60, 80 km à l'heure, heurta un vieil homme qui portait un par-dessus. Il poussa un cri. Elle poussa un cri et s'arrêta. Ma phrase ici. Elle courut en arrière pour le retrouver. Dieu a et il n'était pas là. Ainsi, naïve. Que fit-elle? Des gens derrière. Elle vit cela arriver. Il vit ce vieil homme être projeté en l'air. Et son par-dessus tournoyait. Il courir donc en arrière pour regarder. Ils ne purent trouver l'homme nulle part. Ils appelèrent la police. Celle-ci vient examiner l'endroit. Il n'y avait personne. Eh bien, chacun de témoigna que non, la voiture avait fait un soubresaut. Et dit l'homme. Il se leva en l'heure et tout le monde vit cela. Le témoin se trouva dans deux ou trois voitures. Si ceci arrivait, on découvrit finalement que cinq ans auparavant, un vieil homme portant
un par-dessus avait été heurté et tué au même endroit. Lorsque vous partez d'ici, vous n'êtes pas mort, vous devez revenir. Même si vous êtes un pécheur et être jugé d'après les œuvres faites dans le corps, si cette tente où nous habitons inaribika, nous en avons une autre qui nous attend. Suivez très bien. Une morphe, c'est la parole. Ineno. Nous avons un corps parole qui nous attend. Une femme était à son volant. Elle arrive là-bas. Elle voit un homme apparaître. Elle percute l'homme. Elle par-dessus en désordre. La femme, elle arrête le véhicule. Je viens de cogner quelqu'un. Elle descend du véhicule pour aller vérifier le corps. Et s'il peut transporter le corps, l'amener à l'hôpital. Et trois véhicules qui suivaient par arrière. On vit comment on a arrêté la personne. Et comment il est sauté en haut. Et il est tombé par terre. On appelle la police. La police vient. Il entre dans la brousse. Il commence à fouiller la brousse. On ne trouve pas. Mais comme ils sont civilisés, il rentre dans l'historique des accidents sur cette route. On remarque que 5 ans avant, on avait tamponné un homme sur cet endroit. Mais pourquoi cet homme apparaît? Et qui apparaît là, c'est quoi en par-dessus? Et pourquoi ça apparaît vieux? Pourquoi ça apparaît vieux? Parce que dans la théophanie pour les chrétiens, l'âge est de 18 à 22 ans. Mais sur la route là, la vieille personne apparaît. Et nous les voyons même sur route, le Lubumbashi, même sur celle qui roule le véhicule, ils voient ça. Vous pouvez tamponner quelque chose, et puis vous regardez par arrière, la personne elle, elle vous fait comme ça, et il entre en brousse. Et si vous n'êtes pas prudent, vous allez commettre un accident mortel. Cette chose-là, c'est une théophanie. Mais ce n'est pas la parole. Est-ce que c'est très clair? C'est une théophanie. Vieux. Même Samuel, quand il a été invoqué, il est sorti aussi vieux. Parce que le corps subit la transformation dans 72 heures. Il y avait beaucoup d'années que Samuel était décédé. Mais quand la magicienne d'Andorre l'a évoqué, Samuel est monté en toge vieux. Musée. Et là, c'est parce que le sang de Christ n'était pas encore versé et qu'il ne pouvait pas avoir l'âge de 18 à 22 ans. Ça, vous ne les apprendrez jamais à la théologie. Ça, il n'y a que le grand théologien Bill qui peut enseigner ça. Hein? L'associé de Dieu. Amen, amen. Amina. Les théologiens doivent venir ici et se mettre, on les enseigne. Tous les professeurs de théologie, que ce soit les méthodistes, que ce soit les musulmans, que ce soit la théologie hindoue. Vous savez que vous le vouliez, Frère Branham est le prophète des Indiens. Que vous le vouliez, vous refusez. Frère Branham, c'est le prophète du pape. Que vous le vouliez ou pas. Frère Branham, c'est le prophète de toute l'humanité. C'est le prophète de Jézabel. C'est lui qui maîtrise cette génération. Cette génération, c'est William Branham ou rien. Même si vous le refusez, même si moi-même je ne le crois pas, c'est la vérité. Cette génération, son maître, c'est le vieux Bill. Le responsable de cette génération, de cet âge, la parole lotie dans cet âge, c'est William Branham. Nous n'avons pas honte de le dire. La manière dont il décortique ici, un primérien. Un primérien. La manière dont il décortique les choses. Vous vous sentez comment? Ça, c'est la haute école. Ça, c'est la
grande université. Une université Kubwa. Ce n'est pas n'importe quoi. Il y a un habit vieux. Où il faut nous apprendre comment nous habiller. Oh, tu finis, c'est pourquoi j'ai toujours aimé votre pasteur. Il est un prédicateur sans safra. Sans safra. Ah, il peut monter d'abord en chaise. Avec une chemise là. Avec une veste là. Et il est là. Il donne. Mais on peut avoir quelqu'un avec une petite cravate. Commence à nous citer des mots difficiles qu'on ne comprend rien. Maurice Grévis. Non. Ça, c'est la haute science. Une théologie à Yulu. Tu vas aller m'enseigner quoi? Où t'es-tu fondé chaque le nini? Moi ici, tu vas m'enseigner. Mais les miens, on n'y calme pas les paquets, tu t'en fondé chaque nini. La Bible, Biblia, c'est une partie de nous-mêmes. La Bible, c'est une théophanie. Biblia, c'est la parole. Et nous, nous sommes des théophanies. Nous, on est en train de nous réveiller. De nous montrer ce que nous sommes. Est-ce que nous marchons ensemble? Et tu tournes à pas moi. Et non. Samuel, l'âge vieux, mais un chrétien, un croyant. Le monsieur là, ou le Djamani, il apparaît. Mais vous savez que Frère Branham dit que quand un chrétien meurt, il n'apparaît pas pour faire frousse à ses enfants ou à qui que ce soit. Non. Il est dans le repos. Il va commencer à venir après toi. Les enfants sont allés à l'école, il apparaît. Non. Si vous avez une histoire comme ça, appelez-moi, je viendrai lier ça. Je vais jeter ça au feu. Oh, nous ne dormons pas dans la maison. Il y a quelqu'un qui prépare chaque nuit. Toi, la théophanie, tu dis des choses. Est-ce que tu ne peux pas aller attraper ces messieurs-là dans ta cuisine là? Vous les liez simplement, vous les faites. Oh là. Vous mettez la mousse là-bas. Vous regardez sous la mousse. Vous voyez quelqu'un qui met le pied. Vous ne le voyez pas. Et puis, la mousse vous fuyez la maison. Et vous venez ici. Nous sommes sauvés. Nous sommes rachetés. Oh. Mais la chose, que la théophanie qui est chez toi là. Cette théophanie qui apparaît là. Tu maigris pourquoi? C'est parce que ça apparaît chaque jour dans ta chambre. Que Dieu t'aide. Maintenant que tu comprends. Amen. Amina. Est-ce que nous marchons ensemble? Prenons Matthieu 14, 26. Là, tu peux lire ça. Oui. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Vous avez suivi là-bas? Et c'est mon affaire. Ça, c'est les disciples. Ah, on va voir si. Jésus les a dit, avancez. Il les arrange la barque. Il commence à partir. Et à un moment donné, il voit quelqu'un qui vient sous l'eau. Qui est en train de marcher sous l'eau. Un physique. En train de marcher sous l'eau. Les disciples, comme des humains, comme moi et toi, ils ont compris qu'un physique ne peut pas marcher dans l'eau parce que c'est un poids, ça doit entrer dans l'eau. Alors, ce qui vient là, ce n'est pas Jésus. Lui, Jésus, est resté de l'autre côté. Ce qui vient, c'est sa théophanie. Et la théophanie, au moins, elle a la possibilité de marcher sur l'eau.
Bible lui a ça, c'est les disciples, c'est dans la Bible. Ils croyaient ça. Ville. Et quand ils ont vu, ils ont dit non, non. C'est un fantôme. C'est une théophanie. C'est pourquoi ça marche sur nous. C'est ce qui a fait qu'ils ont eu peur. Et la peur engendre quoi? Des cris et des pleurs. Parce qu'ils ont vu un fantôme. Ils ont vu une théophanie. Na théophanie. Mufu. Fantôme. Parce que ce qui marche là ne peut pas marcher. Au moins fantôme peut marcher. La théophanie peut marcher. Mais un physique non. Vous voyez, ce sont des choses qui sont arrivées dans la Bible. Même les disciples croyaient que les fantômes peuvent marcher sous l'eau. Est-ce que c'est très clair? Tu peux me lire aussi Acte 12. Oh, c'est trop profond. J'avais aimé vraiment que toutes ces lacunes soient terminées. Nous sommes en train d'arriver à la fin. Acte 12, 7 à 16. 12, 7 à 16. Et voici un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté, et en disant: lève-toi promptement. Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit: mets ta ceinture et tes sandales. Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore: enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel, et s'imaginait avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville, et qui s'ouvrit d'elle-même. Devant eux, ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt l'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit: je suis maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qui m'a délivré de la main d'Hérode et tout ce que le peuple juif attendait. Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Et il frappa à la porte du vestibule, et une servante nommée Rhode s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre, et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte. Et ils lui dirent: tu es folle. Mais elle affirma que la chose était ainsi. Et ils dirent: c'est son ange. Cependant, Pierre continua à frapper. Ils ouvrirent et furent étonnés de les voir. Amen, amen. Amen. Donc, ils étaient enfermés. Pierre dans la prison. Petro Gerezani, il est libéré anafunguliwa, par la lumière. Kwa nuru, il vient à la maison. Anakia kunyumba, il toque à la porte. Anapika kumulango, Marie va à la porte. Marie anda kumulango. Quelqu'un parle. Mais la voix, Saouti, c'est Pierre. Ni Petro. Dis non. Il dit aux autres. Bengine, mais apparemment, quelqu'un frappe à la porte ici. Pika mulango. Mais la voix, c'est Pierre. Saouti, ya les Petro. Autres. Toi, tu ne connais pas les choses. Wow, Dieu bintu. Quelqu'un dans les croquants. Moutu quelqu'un dans les chaînes. Moutu dis au moins hein, que c'est sa théophanie qui toque à la porte. Dis au moins que c'est son ange. Mais dire que lui physiquement soit là-bas, pale. Non. Apana. Mais nous croyons Soutunamini que sa théophanie peut se déplacer et venir toquer à la porte. Tembea. Donc, l'histoire de la théophanie, adis ya théophanie du fantôme, ya mufu, c'est biblique. Ni ya ki biblia. Mais lakini, toutes les théophanies ne sont pas la parole. Aina neno. Toutes les âmes n'ont pas une même destination. Aina na maelekeo moya. Et c'est pourquoi sonde ton âme. Joko mana chunguza nafsi yako. Ton âme est de quelle origine? Nafsi yako inatokea wapi? Ton âme est de quelle nafsi origine? Nafsi yako inatokea wapi? Mon âme est de quelle origine? Nafsi yako inatokea wapi? Et quand la parole sort, na wakati nani natoka, est-ce qu'il y a-t-il la profondeur qui appelle notre profondeur? Est-ce, upana, inaita upana ingine? Est-ce que l'intérieur de moi est soumis à la parole? Iko utiifu kwa neno? Est-ce que c'est très clair? Eti kwa wazi wazi. Prenons Hébreux chapitre 3, wa Ebrania sura ya 3, le verset 88.
Il dit, Anasema. Wow, 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 oh là là, oh là là, il est mort. Ali Koufa. C'est son ange ni malaika wake qui se tient là. Anasima ma pale. Donc il interprète l'écriture que nous venons de lire avec cette citation. Anatafsiri andiko tonto kusoma na hii. Il dit oh là là, oh là là, oh là là, oh, il est mort. Alikufa. C'est son ange ni malaika wake qui se tient là. Anasima ma pale. Voyez-vous, munaona, il est entré dans son corps glorieux. Aliingia mumwili yake ya utukufu. Son corps glorifié. Mwili yake ya kutukuzwa. Vous savez, cette théophanie. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Et pensé, mamina? Ce que, qui est dit là dans l'acte là, frère madame explique la réalité. Il dit que l'ange là qu'il veut dire, ça veut dire son corps glorifié, ça veut dire son corps théophanie. Est-ce que c'est très clair? Mais c'est un grand mystère. Dans les sortes de corps, je l'avais parlé la fois passée. Il n'y a que trois sortes de corps. Il n'y a que le corps physique. Et nous avons le corps. C'est quoi? Ah, il y en a trois. Le corps physique. Le corps. Le corps céleste. Ok. Et puis. Le corps terrestre glorifié. Kisha na mwili ya kidunia ile inatukuzwa. Mufate hii fasi. Inyake trois, il n'y en a pas quatre. Hakuna mamwili ta ine ni tatu tu. Maintenant, quand vous lisez l'adoption. Wakati unasoma ukubaliwa kama mwana. Pour ceux qui lisent. Kubali banasoma. Vous allez voir que le corps céleste. Tona kama mwili ya kimbingu. Prend beaucoup de noms. Yuko na majina mingi. Parfois, on l'appelle corps céleste. Parfois, on l'appelle corps angélique. Parfois, il l'appelle corps parole. Parfois, il l'appelle corps théophanique. Parfois, il l'appelle corps glorifié. Ici, il prend beaucoup de noms. Et il faut être un croyant de Frère Branham pour saisir ça. Et quand tu ne saisis pas, tu vas voir comme s'il y a 10 sortes de corps, soit 9 sortes de corps. Et pourtant, il n'y en a que 3. Il n'y a que le corps céleste ici qui prend plusieurs noms. Et quand on prend ce corps ici, on sanctifie le premier corps et on trouve maintenant le corps terrestre glorifié. Quand on prend le corps physique qui est le corps terrestre, on le purifie avec le feu. Maintenant, on le mélange avec le corps céleste. C'est ce qui engendre le corps terrestre glorifié. Dans le corps, il n'y en a que trois. Vous allez voir, on a appelé cela corps glorifié. Parfois, il appelle corps théophanique. Parfois, il appelle corps angélique. Parfois, il appelle corps céleste. Parfois, il appelle corps parole. C'est le même corps. Amen, amen. Amina. Et ça, c'est un théologien qui doit m'apprendre. Question et réponse. De 1961-326. Wow, je suis en train d'atterrir. Bon. Aujourd'hui, on va pas sauter. Maman, vous ne vous sentez pas bien. Maman, vous dites que vous êtes. Vous savez, quand vous comprenez ces choses, vous pouvez un jour faire ceci. On n'a pas ce que mon affaire. D'abord, vous sautez dans votre corps. On a tout quand même mouillé à quoi? Vous y rentrez. Qui est-ce qu'on a redit à Téna? Vous sautez. On a toqué. Vous riez un peu. On a checké à quoi? Où vous êtes? Qui est-ce qu'on a redit à Téna mouillé à quoi? Non, on a bien passé dans Kiungu à quoi? Vous sautez. On a toqué. Vous adorez. On a obudu. On a imba. On a fukusa ma demona. On a lika ma baraka. Pour toucher la bénédiction, pour vivre la bénédiction, pour vivre la joie. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Je vais vous dire quelque chose. Même quand Salomon priait, Dieu ne lui avait jamais donné la réponse dans le physique. Il lui a béni dans sa théophanie. Il l'a laissé s'endormir. Et quand il s'est détaché, et c'est là-bas
la théophanie avec la théophanie, la théophanie bénissant la théophanie, ce que tu as demandé, je te le donne. Je t'ajoute aussi ce que tu n'as pas demandé. Et je dis à quelqu'un ici, de toutes les prières que tu as déjà faites dans ta vie, que Dieu te donne aussi ce que tu n'as jamais demandé. Oh my. Que Dieu te donne ce que tu avais oublié là. Que Dieu te donne ce que tu n'as jamais pensé. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Je te bénis d'une bénédiction inconnue. Je ne la connais pas. Je te bénis d'une bénédiction inconnue. Je ne la connais pas. Mais que ta théophanie reçoive ça. Jacob, Jacobo, Isaac, Isaka, avant de mourir, kufa, il appelle Jacob. Anaita Jacobo, viens. Kuya. Je vais mourir. Napenda kufa. Je suis un prophète. Mini konabi. Va me chercher un gibier. Wondo kanitafutie nyama. Tu me prépares bien. Unipikia umuzuri. Tu m'amènes. Unleteye. Je mange dans ma chair. Nikule mbele mumwili yangu humo. Et puis mon âme va te bénir. Nafsi yangu itakubariki. Oh my my. Je vais manger dans ma chair. Et mon âme va te bénir. S'il y a une bénédiction que Dieu peut donner à un homme, il l'adressera à l'âme. C'est pourquoi la Bible dit, prospère à tous égards comme prospère l'État. L'État prospère à tous égards. Mais cette prospérité là est liée de l'état de ta théophanie. Et je dis que ta théophanie soit bénie. Et si vous devez aussi bénir, bénir vos enfants, vous devez les bénir avec votre âme. Bénissez vos enfants avec votre âme. Quand vous dites à un enfant, sois béni, que cela vienne fraîchement de ton cœur. Que cela vienne fraîchement de ton âme. L'âme de l'homme. Une théophanie. Soumise à la parole. Une lumière. Capable de chasser les ténèbres. Et c'est ce que nous sommes. Que Dieu te donne au-delà de tes prières. Et dès que ton âme est bénie, nafsi yako inabarikiwa, tu rentres dans le corps pour goûter, kuonja, pour toucher, kugusa, et pour vivre, na kuishi, et pour rire dans la chair. Umu. Oh là 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 là. Est-ce que tu peux saluer celui qui est à côté de toi et que tu le bénisses avec ton âme? Dis-lui que mon âme te bénit. Mon âme te bénit, révérend. Oh my my. Le temps me manque. Je donne seulement la dernière citation. Le temps me manque, il y a trop d'histoires ici. Nous allons y aller. Même prochainement. Je prends. Comment puis-je vaincre? Jusque là, sur la théophanie, sur le péché, c'est clair. Tout est clair. Vous pouvez le manifester par la main. Ah, vraiment, que Dieu vous bénisse beaucoup. Comment puis-je vaincre 48? Suivez très bien. Je suis en train de parler de quelque chose qui vous concerne. Comme j'ai parlé à quelqu'un l'autre jour, j'ai dit, ils font très attention, même beaucoup de groupes de la sainteté, pour ne pas prononcer Saint-Esprit. En anglais, Holy Ghost. Holy Ghost. Saint fantôme. Yeye, ni mufu mutakatifu.
Je veux que ça vous pénètre, ça ne t'est pas encore percuté. Holy Ghost. Holy Ghost. Saint fantôme. Mufu mutakatifu. Bon, ah ah. Inclinez seulement la tête. Inclinez la tête. Inclinez la tête. Inclinez la tête. Seigneur Dieu, que dirais-je après toutes ces choses? Ces choses percutent nos âmes. Ces choses qui n'ont jamais monté dans le cœur d'un humain. Seigneur Jésus, le Saint-Esprit, c'est un saint fantôme. Holy Ghost, 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 Seigneur. Holy, Holy Ghost, Holy Ghost. Père, manifeste-toi pour quelqu'un, que le Holy Ghost descende dans ce bâtiment. Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Spirit, Holy Ghost, Holy Spirit, Holy Ghost, Holy Spirit, Holy Ghost, Holy Spirit, Holy Ghost. Holy Spirit, Holy Ghost, 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 Holy Spirit, ô Père. Tu peux maintenant te tenir debout. Mets la main sur ton cœur. Je te demande de murmurer seulement. Murmure seulement là où tu es. Pendant que la musique douce est en train de jouer. Le Saint-Esprit est là. Le grand jour s'est levé. Holy Ghost est là. Dis à Dieu, fais descendre mon Holy Ghost maintenant. Dis-lui maintenant que je viens de comprendre. Laisse mon Holy Ghost descendre à l'immédiat. Parle maintenant à Dieu.
Le grand jour s'est levé. Ce grand jour s'élève dans ton âme par la lumière de la parole. Nous allons prier en chantant.
consolé dans ton cœur. Sois consolé dans ton âme. Sois consolé dans ton esprit. Que ton âme soit consolée. Que ton Holy Ghost soit consolé. Ces cantiques, toi le Saint-Esprit, tu es là pour faire le travail. Nous sommes très convaincus, cher Saint-Esprit de Dieu, tu es celui qui nous a parlé, tu es celui qui est entré en action maintenant, et tu es celui qui est en train de faire le travail. Que l'honneur et la gloire te reviennent au siècle des siècles. Ici présent, il y a des âmes qui sont soumises à toi. Et nous voulons te voir, toi Dieu,
accomplir le travail. Nous te laissons l'occasion, nous te laissons la place de continuer ce travail en nous. Nous voulons que nos âmes soient éclairées par le Saint-Esprit béni de Dieu. Maintenant même, cher Dieu, continue ce travail en nous. Comme nous te prions, nous sommes arrivés à la fin. Sois avec nous et va avec chacun de nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin du service de ce soir. Tunafika kumwisho ya kazi ya hii magharibi.